Et à tous ses amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors rejoignons sur un nouveau guichet de duplication en plaque propre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça fait énormément plaisir à la chaîne YouTube. Bon visionnage. Alors tout d'abord les gars, il faudra un centre d'opération mobile avec une suite avec terrasse, avec parking et un véhicule à dupliquer. Pour ma part, ça sera la ici anticipation. Maintenant avec notre pote, on va rentrer dans notre véhicule. Et on va rentrer dans le parking du casino. Maintenant qu'on est dans le parking, on va dire à notre pote de rester dans la Elegir RH8. Pendant que lui reste dans la Elegir RH8, nous on va sortir à pied du parking. Alors maintenant qu'on est dehors, on va demander à notre pote, avant bien sûr qu'il rentre, nous prêter sa MK2. Et maintenant avec la MK2, on va se rendre à notre boîte de nuit. On va rentrer par le garage. Et on va rentrer au premier sous-sol. Maintenant qu'on est au premier sous-sol, alors on va rentrer dans ce véhicule et on va full spammer flèche de droite. Normalement ça nous a freeze, comme vous voyez. Pour se défreeze, on fait option, on fait rond et on fait triangle. Et maintenant on sort à pied du garage. Maintenant qu'on est sorti, on va se rendre au casino. Maintenant qu'on est devant le garage du casino, on va rentrer à pied. Et on va rentrer dans la garage de la suite. Maintenant qu'on est dans le garage de la suite, on va prendre le véhicule qu'on veut dupliquer. Maintenant qu'on l'a pris, on va bloquer la portière du conducteur avec un obstacle dans le garage. Maintenant qu'on a bloqué la porte conducteur, on va prendre un véhicule de PNJ, un véhicule à vous, ça peut être n'importe quoi. Et on va bloquer la deuxième porte. Maintenant qu'on a bloqué la deuxième porte, on va faire triangle pour voir si on peut rentrer. Voilà, vous voyez, ça nous a fait TP dedans et on va ressortir. Maintenant, on va se coller au garage et on va faire accepter le message de sortir et en même temps, on va appuyer sur triangle. Voilà, comme vous avez vu, ça nous a fait TP dans le véhicule et on ressort avec le véhicule. Maintenant, on est ressorti, maintenant on va se rendre devant notre centre d'opération mobile. On va appeler le mécano. Maintenant qu'on a appelé le mécano, on va demander un véhicule à détruire. Alors moi j'ai demandé celui-là par exemple, la Elegir H8. Et on va accepter le message et on va et votre pote devra compter 10 secondes et sortir de la voiture. Non, mon pote, il peut sortir de la voiture. Alors maintenant, on peut rentrer dans notre centre de passe mobile. Et ben, maintenant qu'on a réussi, c'était tout pour cette vidéo. Si t'as pas liké, vous abonner, ça ferait énormément de plaisir à la chaîne YouTube. Ciao.